Merci beaucoup, Vincenzo. Ça va donc être improductif, hein, c'est-à-dire synthétique. Je vais m'adresser plutôt aux étudiants qu'aux chercheurs présents qui connaissent bien ce que je vais raconter. Je vais partager quelques slides. Et je dois commencer quand même par vous dire que c'est la première fois depuis la mort de Bernard Stiegler que j'en parle en public. Quelques digressions dans mes cours et je ne suis pas sûr que mon deuil soit fait encore, parce que deuil il y a, deuil qui est évidemment personnel pour ma part, mais qui est aussi pour nous tous, costéquiens, intellectuels. La question de son héritage est ouverte, comme vous le savez, et voilà, donc j'ai eu un coup d'émotion très fort en relisant mes slides ce matin. J'espère qu'il ne va pas me reprendre, mais voilà, un mot seulement, au nom de tous, je pense, en tout cas de tous ceux qui sont passés par l'UTC, par Costec, je me contenterai de dire merci, merci Bernard, voilà. D'introduire à Bernard Stiegler, plus exactement à son écologie, c'est-à-dire à sa pensée de l'anthropocène, qu'il écrit avec une orthographe modifiée, comme vous le savez. Donc, je vais tenter de le faire. J'ai d'abord introduire à l'homme très rapidement. Ensuite, je vais tenter de situer cette pensée de l'écologie dans un contexte plus général qu'un contexte historique et philosophique français. Très lié au concept biotechnique dont je vais vous parler dans quelques instants. Et ensuite, je dirai quelques mots de sa dernière bifurcation qui porte le titre de son dernier livre collectif. J'ai trouvé cette formule, donc je commence par Bernard, mais vous en avez entendu énormément parler par des personnes plus compétentes que moi. Mais il faut bien comprendre que c'est un philosophe qui avait des ambitions d'intellectuel, c'est-à-dire de politique, de conseiller du prince, et qu'il ne faut pas dissocier ses outils conceptuels d'une part de sa volonté de faire association, de faire collectif, de créer des espaces en dehors de l'université, c'est-à-dire son vrai seul acte universitaire et d'avoir créé Costex, ce qui n'est pas rien, mais ensuite l'essentiel de sa carrière s'est joué en dehors de l'université. Et cette ceci ne doit pas être négligé, c'est-à-dire les biographies disent quelque chose toujours de, du parcours conceptuel. Et donc voilà, donc c'est quelques mots, donc c'est voilà, une biographie dont l'essentiel se joue voilà, hors des cadres tout faits. Il a toujours été intermédiaire, médiation entre le monde de l'industrie, le monde de la recherche, etc. etc. Et de ce point de vue-là, le concept de milieu que je vais introduire, mais comme médiation, ça tourne toujours un pied dehors. Toujours tenté de rapprocher des personnes qui ne se parlaient pas, comme Damasio et Plesio, par exemple, etc. etc. Voilà, donc c'est un parcours singulier. Et si je devais résumer une ambition, c'est un mot qu'il n'emploie pas. Mais il a insisté sur le fait qu'en tant que philosophe, il remettait l'économie politique au centre dans une tradition marxiste qui n'est plus franchement à l'ordre du jour. Mais plutôt qu'économie politique, je dirais que toute son œuvre voilà, tend vers une technologie politique, comme on parle précisément d'économie politique, c'est-à-dire de questionner nos conditions techniques d'existence en tant qu'elles font politique, c'est-à-dire qu'elles font société, et c'est à travers... voilà, à travers sa philosophie des techniques, qui d'abord donc, ce que j'appellerais volontiers une technologie politique. Militant du concept, disais-je, ça c'était l'introduction, j'emprunte la formule un de ses amis, Bernard Unbrecht, militant du concept jusqu'à la mort. Et ça, c'est ce que je n'ai probablement pas encore parlé. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette technologie politique peut se lire dans la continuité d'une certaine tradition de la philosophie de l'écologie politique en France, c'est ce que je vais vous dire. La question qu'on va se demander, c'est de savoir, moi j'ai quitté mon implication et ma contribution à Ars Industrialis
au moment où, pour le dire vite, il n'avait pas encore lu l'événement anthropocène, parce qu'il n'était pas sorti, tout simplement. Au moment où l'entropie n'était pas centrale dans son travail, comme il l'est aujourd'hui, comme Maël cet après-midi. Maël Mondeville vous en parlera parfaitement mieux que moi. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que d'un côté, il y a Maël Mondeville qui va vous parler d'entropie, de l'autre côté, il y a Bruno Barchimont qui va vous parler des médias, des supports médiatiques, du milieu numérique, le numérique comme milieu, pour reprendre un de ses articles, le titre d'un de ses articles. Et ce que je vais essayer de vous dire, en fait, c'est qu'entre les deux, l'écologie, disons plus scientifique et portée sur les écosystèmes naturels et l'écologie médiatique est portée sur les écosystèmes techniques, c'est-à-dire d'une part l'intervention de Maël et d'autre part l'intervention de Bruno pour cet après-midi, pour faire écho à ce que je disais, sont chez lui, participent d'une même technologie politique et d'une même écologie. Donc toute la question de savoir si cette nouvelle découverte de l'entropie, de l'anthropocène et de sa conversion vers l'écologie, conversion qui est très claire lorsque l'association Ars Industrialis devient l'association des amis, la fondation des amis de Greta Thunberg. Voilà, moi, mon analyse, et là, c'est le chercheur qui parle plutôt que l'enseignement. L'enseignant, il n'y a pas de bifurcation, il n'y a pas de seconde bifurcation. C'est-à-dire que l'essentiel de son écologie est compris en embryon, dès la technique et le temps, comme je vais essayer de vous le montrer. Et si vous voulez comparer les deux vocabulaires, celui que j'ai écrit à l'époque où il n'y avait pas encore l'entropie, et celui qui est écrit par Anne, plus succinct dans la recherche contributive pour avoir le vocabulaire, bah, vous y verrez quand même des résonances certaines, des ponts tout à fait clairs. Il y a effectivement des nouveaux termes comme entropie, néganthropocène, etc. Mais nouveaux termes qui, à mon sens, peuvent se comprendre à partir de sa première bifurcation, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà pour l'introduction générale. Il est déjà 12h40. Je vais aller vite. Je vais aller vite et je vais tenter de. Plus vite, plutôt. Et je vais tenter de vous inscrire, Bernard, dans une tradition de philosophie et d'écologie politique. De philosophie, il faut déjà l'inscrire dans une histoire qui est, à mon sens, celle du concept de milieu. Le milieu, en français, signifiant à la fois le centre, l'intermédiaire, le médium et l'environnement, l'umwelt, l'espace-temps vécu, etc. Et Bernard jouant systématiquement avec les deux sens du mot, du concept, et de ce point de vue-là, c'est un vrai philosophe du milieu. Je ne vais pas commenter l'ensemble de ce slide, ce qui est l'histoire du concept de milieu dans les sciences, de la science physique, le milieu et son mobile dans la révolution scientifique du XVIIe siècle, puis la science biologique, puis sociologique. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la fin de cette histoire. Le milieu technique, après le milieu physique, le milieu biologique, le milieu sociologique, le milieu géographique, pour ne citer que cela, est le dernier-né de notre histoire et il est forgé par deux personnes dont vous avez très probablement déjà entendu parler. André Leroy-Gourhan, le paléoanthropologue d'une part, qui s'intéressait au silex, et Georges Friedman, le sociologue de l'histoire, qui s'intéressait au travail à la chaîne d'autre part. Pour l'un comme pour l'autre, la technique est quelque part, hein, dans la tradition maussienne, un fait social total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de milieu technique qui ne soit aussi un milieu biologique, un milieu psychologique et un milieu social. De ce point de vue-là, le milieu technique n'est pas à comprendre comme technique par exclusion des milieux qui le précèdent, mais comme ce qui vient parachever l'ensemble de cette histoire. Le milieu technique étant toujours aussi un milieu biologique, psychologique, etc., et géographique. C'est au milieu technogéographique de Simondon, etc. Donc Bernard Stiegler se situe dans cette histoire très clairement, hein. Il y a un débat entre Friedman et Ellul, Friedman réhabilitant le milieu technique contre le système technique d'Ellul, Ellul étant technophobe, ce que n'est pas Bernard Stiegler. Et voilà, et Simondon qui vient parachever cette histoire en appliquant le concept de milieu technique, non pas à l'homme, comme le fait Bernard Stiegler, ou Leroy Gourhan, ou Georges Friedman, c'est-à-dire quel est le milieu de l'être humain, qu'il soit individuel ou collectif, en appliquant à l'individu technique lui-même. Le concept de milieu technogéographique s'applique à l'individu technique.
Voilà pour les rappels historiques qui me semblent importants pour comprendre d'où vient Bernard Stiegler. Et voilà. Face à ça, il y a deux autres mots qui sont fondamentaux. Le mot média, qui arrive seulement dans les années 60 et sous la forme de mass média. Et donc là, c'est toute la tradition dont on a dû vous parler avec Léo Collomb et toute la journée sur les industries culturelles, Alain Giffard, etc. Hérité de l'école de Francfort, mais qui tente de réfléchir à l'effet politique de ces masses médias. Et c'est Bernard se situe dans cet héritage aussi. Le point à comprendre, c'est que le dernier terme de l'histoire, c'est le mot environnement qui arrive dans les années 70, qui aujourd'hui se réduit à l'écologie. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie, on pense au mot environnement et on oublie le mot milieu, on oublie ce dont je vais vous parler. Et le mot environnement, comme le mot design d'ailleurs, sont introduits dans les années 70. Et petit à petit, ils ont occupé tout l'inconscient de l'écologie environnementale. Et je voudrais voilà, commencer par dire que si écologie il y a chez Bernard, moi je pense, hein, je vous l'ai dit que j'inscrivais sa technologie politique dans l'écologie politique française, si écologie il y a chez Bernard Stiegler, alors elle n'est à comprendre comme une écologie sans concept d'environnement. Et je vais tenter de préciser ça. Pour préciser ça, c'est un peu schématique. Je ne dirais pas qu'il faut penser une écologie without nature, comme Tim Merton. Mais c'est un peu schématique, mais ça aide à y voir un peu plus clair. Il y a deux grandes traditions, si vous voulez, à l'origine de l'écologie ou de la pensée écologique. Hein, je ne parle pas de l'écologie scientifique, la pensée écologique. L'une qui réfléchit à la nature, aux valeurs intrinsèques de la nature, aux droits de la nature, et qui partent en tout cas voilà, d'un questionnement sur la nature, et dans le langage américain, c'est la wilderness. D'un côté, donc, et de l'autre, une tradition qui est plutôt américaine ou anglo-saxonne, et de l'autre, une tradition qui part d'un questionnement sur la technique, c'est-à-dire qui sont les pères de l'écologie politique côté continental, c'est d'abord les philosophes des techniques. Et jusqu'à Dominique Bourg, aujourd'hui, Dominique Bourg, qui est une des personnalités en écologie les plus médiatiques, une des philosophes les plus médiatiques en écologie, vient des techniques. Et je pourrais dire pareil de tout le monde, même Latour, tradition à laquelle je ne le mets pas dedans, mais pareil, c'est vient des techniques. Donc il faut bien comprendre que ce que j'appelle l'écologie des techniques, c'est une écologie qui n'a pas besoin de concept de nature, ni de concept d'environnement pour formuler son cadre théorique. Donc c'est les philosophes des techniques auxquels participe évidemment Ellul, hein, qui participe à l'histoire de l'écologie politique, mais si vous deviez en retenir que trois, André Gorz, Corneliusz Kasturialis et Félix Guattari. Ceux qui sont le plus résonance avec Bernard, le plus implicitement, c'est vraiment André Gorz et Félix Guattari. André Gorz, son écologie des technologies vertes, et Félix Guattari avec son écologie machinique, c'est-à-dire une écologie qui met au cœur la question de la machine. Mais voilà, de ce point de vue-là, Bernard est clairement du côté de l'écologie de la technique. Mais à cette opposition, il faut rajouter une autre opposition, donc, qui est celle de l'environnement et du milieu. Du coup, on arrive à une écologie du milieu technique, et je dirais bien un milieu technique commun. Même si Bernard Stiegler, il a beaucoup tourné autour de la philosophie des communs, il a collaboré avec Michel Bowens, comme vous savez, mais comme il aimait à créer ses propres mots et concepts, voilà, il parlait plus volontiers de contribution. Ce que je vais tenter de vous dire en conclusion, c'est que ce qui me semble résonner dans les réseaux d'action, et de militantisme le plus proche avec sa philosophie et son cas théorique, c'est tout de même ce qui se joue aujourd'hui autour des communs, y compris les communs négatifs dont Alexandre Monin a dû vous parler hier. L'environnement, ce qu'il faut comprendre, je vais pas vous faire, je vous ai montré l'histoire du concept de milieu. Et de par son histoire, le concept de milieu, il n'est pas extérieur. L'environnement environne, tandis que le milieu, il est à la fois intérieur et extérieur. Bernard parlait de milieu intérieur. Et donc, il ne définit pas une extériorité. Et il ne définit pas non plus la nature, une naturalité. Le milieu étant à la fois biologique, social et technique. Donc, il ne charrie pas avec lui les mêmes
dualisme les mêmes problèmes que celui d'environnement. L'environnement va plutôt faire écho à la nature. Quand on dit environnement, on pense aux arbres plutôt qu'à mon ordi. Et pourquoi ? Etc. Donc, ces deux mots différents, je ne vais pas insister là-dessus, mais comme ces deux mots différents, ces deux concepts différents qui charrient une histoire et une logique différente, c'est donc deux écologies différentes. Ce slide résume très, très vite les deux approches. On peut le résumer de manière très simple. L'écologie de l'environnement, l'environnement est un concept absolu, tandis que le milieu est un concept relatif. Donc, du coup, faire de l'écologie de l'environnement, pour vous, ingénieurs, UTC1, je ne vous ai même pas salué, chers UTC1, chers étudiants. J'étais tellement ravi de revoir les collègues. Pour vous, donc, chers UTC1, quand on parle d'ingénierie environnementale, on va penser en termes d'éco-conception. En gros, il s'agit de réduire les impacts environnementaux d'un dispositif technique, quel qu'il soit, de diminuer les flux de matière et d'énergie pour un service ou un produit donné. Ça, c'est tout à fait nécessaire, mais tout à fait insuffisant. Et c'est un mode de pensée qui est absolu, en ce sens qu'on réfléchit en termes d'optimisation technique hors de l'usage, hors de la communauté, hors de la relation aux techniques. Donc, en gros, dans un cas, on se concentre sur les techniques, dans ce que j'appelle l'écologie de l'environnement, dans l'autre, on se concentre sur la relation aux techniques. Et par exemple, l'autolib, ce qui est révolutionnaire, ce n'est pas de changer de technique, c'est de mettre une batterie électrique. Ça, si on fait de l'ACV, on s'aperçoit que ça ne marche pas, que c'est un mensonge. Mais ce qui est révolutionnaire, par contre, c'est de faire de l'économie de la fonctionnalité, ce qui peut l'être, ce qui pourrait l'être, c'est-à-dire de casser la logique propriétaire vis-à-vis de la voiture. Donc, de changer de relation. En location de relation de propriété à une technique donnée. Donc, on voit, on peut changer les choses. Et dans ce cas-là, économie de la fonctionnalité, je vais quand même terminer l'exemple de l'autolib que j'ai commencé, mais que vous devez vous connaître si vous m'avez déjà entendu, TC1. Si on est 10 à utiliser la voiture, donc on n'est plus propriétaire, mais un usager, contributeur ou non, on diminue par 10 les impacts environnementaux en question. Et donc, on a fait beaucoup plus que l'analyse strictement impact environnemental en se concentrant sur les usages, sur les relations techniques plutôt que sur les techniques. Et le propre de cette philosophie de l'écologie du milieu commun, c'est qu'elle n'est pas reproductible. Donc, deux idées centrales. Dans un cas, on raisonne absolument en termes d'optimisation. Dans l'autre, on raisonne relativement. C'est-à-dire, on pense en termes de relations techniques plutôt que les techniques. Et l'autre concept, c'est que dans un cas... Effectivement, si la solution elle est bonne, une bonne solution éco-conçue, je vais faire un portable qui utilise moins de flux de matière et d'énergie. Il est meilleur absolument, donc je vais pouvoir le vendre partout, de Tokyo à Rome. Donc il est reproductible, ces normes techniques sont reproductibles. Le propre, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment pour vous introduire à ce qu'il appelle la territoire contributif apprenant. Moi, que j'associe très à la philosophie des communs, qu'on pourrait associer au design territorial, au design contributif, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette logique-là, la solution proposée est toujours une solution relative aux commoners, aux habitants, relative aux vivants dont le milieu est le milieu. Le milieu est un très mauvais substantif. C'est toujours le milieu de quelqu'un. C'est toujours le milieu relativement à un vivant dont il est le milieu, à l'ensemble des vivants, y compris nous humains. Et donc, de ce fait, elle n'est pas reproductible. Et c'est pour ça que la chaire des pleines communes à Saint-Denis ne propose pas des solutions qui sont duplicables ou reproductibles sur un autre territoire que Saint-Denis. Et ça, c'est vraiment deux types de pensée de l'écologie qui sont vraiment différentes. L'une est plutôt, si je veux être caractéristique, plutôt ingénérique, avec le one best way, pensée mainstream, environnementale, hors sol, etc. L'autre est vraiment, pour moi, écologique, en ce sens qu'elle est indissociable, toute la tradition d'écologie politique dont je vous parlais, elle est indissociable d'une transition démocratique, c'est-à-dire d'une réappropriation du milieu technique commun. Et on ne peut pas du tout dissocier les questions environnementales, de ce point de vue-là, des questions sociales. Et pas. On ne peut pas par méthode. Pourquoi ? Parce que les solutions sont forcément
territorialisée, c'est-à-dire relative aux habitants auxquels on s'adresse. Voilà pour la présentation, il est 54, je vais, voilà. Et il se trouve que le milieu technique donc, arrive en 45, le concept, au moment de la grande accélération. Il y a plusieurs dates hein, sur l'histoire de l'Anthropocène, soit on le fait dater plutôt depuis toujours, l'Anthropocène, soit c'est la révolution industrielle, une des hypothèses les plus convenues, soit c'est ce qu'on appelle la grande accélération, c'est plutôt mon école, si je devais situer Bernard Stiegler, ça serait plutôt la sienne, quoi, ce qui ne soit pas prononcé explicitement là-dessus, mais quand est-ce qu'on passe, on rentre vraiment dans l'Anthropocène, cette période de grande accélération, c'est-à-dire qu'on nomme par un concept temporel né, ou par une vitesse née, évidemment, avec sa philosophie. Donc ça, c'est voilà, post-50. Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, on vit dans l'époque techno-écologique, hérité de la guerre froide, et je crois qu'on n'en est pas sorti, et Bernard Stiegler vient parachever cette époque-là. Voilà, ce slide, les 55 résume tout ça. Donc, c'est vraiment dans cette tradition que je voudrais vous faire comprendre Bernard Stiegler, tradition d'écologie du milieu technique commun, lequel vous voyez quelques noms. Et au départ, si George Friedman et Gorz étaient implicites, sa lecture de Georgescu Rogan est précisément ce qui le tournera vers l'écologie, radicalement vers l'anthropos. Je tiens à dire qu'il y a que l'opposition que je fais entre milieu et environnement est valable en économie. Il faut bien comprendre, et là je fais une petite page de cours, hein, que il y a d'un côté l'économie environnementale qui tente d'intégrer les paramètres environnementaux, ultimement son prix, ses services écosystémiques dans les paradigmes de l'économie mainstream. Ça, on appelle ça l'économie environnementale, c'est-à-dire une économie qui tente d'intégrer la question de la crise environnementale sans remettre en cause ses fondements même, en l'occurrence sans remettre en cause le PIB comme mesure de la richesse indexée sur la croissance. Face à ça, il y a une tradition d'économie écologique qui n'a rien à voir avec l'économie environnementale, et qui, au contraire de celle-ci, tente de repenser les modèles économiques à l'aune de la question écologique. Et du coup, elle propose des modèles alternatifs à l'économie mainstream. Dans celle-ci, Georgescu Rogan a une place fondatrice et importante, mais on a désormais 50 ans de tradition d'économie écologique, des revues tout à fait qualifiée et qualifiante en veux-tu en voilà. Et donc, voilà, même si Bernard Stiegler nommait peu ce terrain, il s'inscrit dans une longue tradition d'économie écologique qui s'oppose à l'économie environnementale, notamment parce qu'elle cherche à retrouver des nouveaux indicateurs de richesse, et c'est ce dont a dû vous parler Franck Cormeray, très probablement. Les nouveaux, voilà, toute son économie contributive est à comprendre dans une perspective de l'économie écologique versus économie environnementale. Et je termine cette prédiction, mais si vous voulez comprendre un des points les plus présents dans tout le long de son œuvre, c'est la question des transmissions, de l'héritage, de probablement comme un enfant post de la génération 68 qu'il a vécu de manière différée, il avait en lui cette question fondamentale de la transmission intergénérationnelle qu'il a habité toute sa vie. Voilà, pour le résumer d'un slogan. Sa question n'est pas seulement quelle planète on va laisser à nos enfants, ce n'était pas sa question. En réalité, l'écologie scientifique l'intéressait peu de ce point de vue-là, mais c'est plutôt quels enfants allons-nous laisser à nos planètes, étant donné que ces enfants sont formés par les industries numériques, qui fut son cœur de sujet. Il est 58, est-ce que vous me laissez encore un peu de temps? Je vais passer plus vite, mais je veux au moins... Oui, oui. Vas-y. Donc voilà, ça c'était pour ce qui me semblait peut-être
voilà, le préférable pour vous introduire, pour vous situer dans un contexte plus général, et contexte qu'il ne cite pas toujours, hein, mais avec lequel il était d'accord. George Friedman, par exemple, pour en avoir beaucoup discuté, les résonances avec son travail étaient plus que grandes, en fait. George Friedman, psychotechnicien, sociologue du travail, qui est le premier à avoir ouvert un centre de sociologie du loisir. Et cette indistinction du travail et du loisir est évidemment au cœur des industries culturelles, comme on a dû vous le dire. Donc, venons-en à Bernard Stiegler lui-même. Je vous ai dit, si vous voulez vous reporter de manière minimale, chers étudiants, à ces entrées, lisez le vocabulaire d'Anna Lombert, qui a fait des courtes entrées synthétiques qui vous aideront à vous familiariser à l'anthropocène. Avec un E, le concept central auquel il nous amène est celui de bifurcation. Et sa philosophie est à comprendre, bon, je vais passer vite puisqu'il est déjà très vite, comme une philosophie de la bifurcation qui résisterait à la disruption. Ce que j'essaie là, c'est plutôt un slide adressé aux chercheurs. Comme je vous l'ai dit, toute la question est de savoir si l'entropie constitue, chez Bernard Stiegler, une seconde bifurcation. Comme il le dit lui-même, hein, il emploie le mot bifurcation à propos de lui-même, lorsqu'il inaugure sa philosophie, vous le lisez, on travaille dans son ensemble, engager une nouvelle étape, celle où j'interroge le schématisme, notion centrale sur laquelle nous avons écrit avec Timothée Deldic, pour montrer qu'elle est au cœur du design tel qu'il se pensait dans sa création à l'UTC même. Et voilà. Mais bon, tout ça, vous en avez déjà parlé. Donc, ça, c'est sa première bifurcation. C'est celle qui constitue la base de sa philosophie de la technique et du temps. Est-ce qu'il y en a une seconde? Est-ce que je ne crois pas, parce que le vocabulaire change, mais à chaque fois, il y a cette idée que le savoir, et que le savoir seul qu'on oppose à l'information et à la connaissance disciplinée, donc comme on oppose la raison et l'entendement, le savoir seul est ce réservoir de liberté qui, en l'homme, résiste à nos propres automatismes. Quand je réponds moi-même à des automatismes et à des réflexes en répétant de manière machinale des références, il est sûr que je ne pense pas, ni avec un E, ni avec un A. Les rares fois où on pense, c'est les moments où, selon Bernard, on bifurque. Toute la question est très difficile, à mon sens, philosophique, c'est à quel point cette bifurcation peut être provoquée, travaillée. Est-ce que c'est vraiment la bifurcation qui nous fera échapper à la description? Le propre de la bifurcation, c'est qu'elle se programme. Alors, bon, ça, c'est des questions ouverte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, toute l'écologie environnementale et l'écologie médiatique, je suis passé vite plus haut, se retrouvent reliées dans un même combat qui ne sépare pas les ressources naturelles et les ressources qu'on va dire culturelles, les communs de la connaissance et les communs naturel, parce que c'est toujours à travers le savoir que on résiste à l'entropie, c'est-à-dire à la non-durabilité des systèmes sociotechniques, pour le dire avec d'autres mots classiques. Je me rends compte que je suis passé sur ce slide, mais c'est pas grave. Je vous ai dit l'essentiel hein, de sa compréhension de territoire apprenant contributif, je la situe dans cette compréhension de deux choses. Le slide sur lequel je suis passé, qui ne sépare en gros qu'est une tradition à laquelle participe Schotterdijk, à laquelle participent d'autres éminents philosophes. On ne sépare pas ce qu'on appelle l'écologie de l'esprit ou l'écologie médiatique, qui a eu des termes différents, d'une part, qui est en gros l'écologie du milieu au sens de médium. Ce médium, cet intermédiaire invisible est pourtant indispensable entre moi et moi-même, puisque le médium technique est
non seulement ma propre mémoire, mais ce n'est pas mon extériorité. Hein. Il le dit clairement, c'est la citation. C'est à travers le milieu technique que notre intériorité se dévoile à lui-même. Hein. Donc le milieu, il est toujours au milieu de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, ça nous permet de comprendre l'écologie de l'esprit minimalement, mais si vous êtes costéquien et si vous êtes étudiant de Charles ou de Charlenay ou de n'importe quel philosophe tac, vous savez que l'écologie, l'esprit n'est pas à l'intérieur de lui-même, il est toujours médiatique. Donc, cette écologie que j'appelle médiatique, hein, qui est aujourd'hui l'écologie donc, du médium technique, pensée en même temps que l'écologie de l'Umwelt, c'est-à-dire de. Hérité de Hescule et de l'espace-temps. Tout ceci constitue le cadre théorique général duquel on ne sépare pas la question naturelle de la question technique. Et avec ça vient se rejoindre le concept de milieu qui nous permet de comprendre que toute solution est relative aux habitants auxquels elle s'adresse. Et donc, du coup, toujours territorialisée, relocalisée. Et de ce fait, et c'est pour ça que l'économie contributive, elle est compliquée. Et de ce fait, elle ne peut pas donner d'indicateurs universels qui seraient les mêmes partout. À chaque territoire, de trouver sa propre indicateur de solvabilité ou de richesse contributive. Donc, je vais tenter de résumer tout ça voilà, par ce simple slide en faisant un hommage et un remerciement à Hugh Cui, un grand ami et héritier de Bernard Stiegler, philosophe des techniques. Comme vous le savez probablement, voilà, là, c'était un séminaire dans lequel il m'avait chaleureusement invité à Séoul. J'ai résumé tout ça en disant on peut parler d'anthropocène chez Bernard Stiegler, mais pour comprendre qu'on l'inscrit dans une philosophie de la technique, c'est pourquoi moi je parlerai volontiers de technocène. Et technocène qui ne sépare jamais les questions du naturel et de la technique, à la fois médium et ouvert, c'est ce que je vous disais. L'autre point important pour l'ancrage territorial, c'est de comprendre, et là j'en prends une formule à Franck Cormeret, c'est que si le global chasse le local, et ce n'est pas parce que les problèmes sont globaux que les solutions doivent être globales, hein, ça c'est une phrase d'Elinor Ostrom, si le global chasse le local, disais-je, l'hyperglobal qu'est le numérique peut ramener le local. J'emprunte cette idée à Franck Cormeret, mais c'est bien ça l'idée. Cette écologie... elle a ceci de commun qu'elle pense toujours les plateformes d'échange de savoir dans n'importe quelle solution, que cette solution concerne la mobilité ou la clinique, etc. Le numérique est toujours médiateur de ce que j'appelle le commun et ce que Bernard appelle les territoires apprenants contributifs. Et voilà, donc il y a comment relocaliser, reterritorialiser, archipéliser. Donc, vous voyez très bien à quoi je fais référence et Costec aussi. Le numérique, et ça s'inscrit dans cette optique-là. Et ensuite, vous avez résumé sous les yeux ce que j'ai tenté de vous dire. Prendre acte de la toxicité biopsychosociale des techniques, mais toxicité qui n'est inévitable en tant que pharmaca et donc surmontable. Et comment le surmonter ? Ben, évidemment, c'est toute la question. En élaborant une nouvelle technologie politique qui met un pied sur le monde du libre, des communs, etc., et de nouveaux indicateurs de richesse contributive, et deux, pour le dire d'une formule, en élaborant une technodiversité. J'emprunte le concept à Hugh Cui, mais il m'est aussi très cher. J'ai ouvert une thèse sur le concept, d'ailleurs, la candidate venait de l'UTC, sur le concept à l'UTT, sur le concept de technodiversité. Une fois qu'on a compris que les solutions technologiques à la lutte contre l'entropie croissante de notre monde doivent être territorialisées, parce que réappropriées par des habitants qui deviennent de ce fait des contributeurs, on a compris que le meilleur moyen de préserver la nature, l'environnement, la biodiversité, surtout quand on est parisien comme moi et que les seuls animaux qu'on connaît sont les pigeons, est de travailler à plus de technodiversité. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais et comment ? En ayant en tête qu'une bonne solution technique n'est pas nécessairement une solution
hors sol et reproductible en tout lieu, puisqu'elle est relative à son milieu. Merci à tous. Et...